Coucou les filles, bienvenue dans ma salle de bain aujourd'hui pour faire un petit soin du dimanche. Alors, c'est quelque chose que je fais régulièrement, en moyenne tous les 2-3 mois, en fonction de la saison et en fonction surtout des besoins. Je le fais en fonction de la couleur de mes cheveux. Je me décolore les sourcils et la moustache. Bon, ils appellent ça les lèvres, je sais pas quoi là. Moi, j'appelle ça moustache, hein, parce que c'est une moustache. Donc pour ceci, en fait, je le fais en fonction. Bon là, c'est pas très, ça parle pas trop, mais si quand on voit par rapport au blond de mes cheveux, pardon, on sent qu'on a quand même un peu besoin de les éclaircir. Là, ma moustache, c'est juste parce que j'en profite en même temps que je fasse les sourcils, je fais la moustache en même temps, mais. C'est pas ultra choquant. Enfin, en tout cas, moi, je me fais pas trop peur quand je me vois dans la glace. Pour ce faire, j'utilise un kit de décoloration visage de chez Blonde & Peel, qui est comme ceci. Donc, qui est composé d'une formule 1, qui est le gel décolorant à l'huile essentielle de camomille bleue qui apaise et hydrate, spécial visage. Et le... Tube 2 qui y a marqué aussi gel décolorant, hein, apaise hydrate le visage. Donc je pense que c'est deux trucs différents, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le but est de mélanger le 1 avec le 2 dans ce qu'ils nous ont donné là. Hop, ça, ce petit truc là. Donc on met le 1 et après on met le 2 et j'ai ce petit truc là. Je le mélange. Et après, je l'applique sur mon visage. Donc, je mets un petit peu... Ouh, c'est la fête au village, il y a tout qui coule. Mouchoir. Tac. Donc, j'ai mis de ma petite solution 1. Oh là là, tout tombe, c'est magnifique. Donc, j'ai mis de la solution 1 qui est assez solide. C'est blanc, comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais jeter et en racheter parce que je suis en train de racler les fonds de tiroir. Et j'ai mis de la solution 2. La solution 2, elle est transparente. Et quand on mélange les deux, vous voyez, c'était blanc. Et je ne sais pas si... Oup là là, catastrophe, dis donc. Et donc du coup, ça devient violet. Comme mes ongles, magnifique. Hop. Je ne sais absolument pas si vous voyez quelque chose. Donc là, c'est violet. Et cette magnifique bouillasse violette, je vais d'abord l'appliquer sur ma moustache. Que la moustache, je veux vraiment qu'elle soit blonde, vous voyez. Alors que les sourcils, du coup, je mets après, comme ça, ça y aura une pose un peu moins longue parce que je veux pas qu'ils finissent blonds. Je veux juste les éclaircir par rapport aux mèches blondes que j'ai sur la tête. Donc, vous voyez, hop. C'est parce que tous mes soins du dimanche en fait sont super classe, super glam. J'ai toujours l'air d'une quiche. Et donc maintenant je vais appliquer un petit peu de cette magnifique bouillasse violette sur mes sourcils. Vraiment super truc irrégulier. Parce que qu'il y en ait quelques-uns qui restent foncés, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc je vais lécher. Je vais lécher. Je vais absolument pas lécher le pot, sinon je vais être malade. Je vais laisser agir, comme ils disent. Quelle heure qu'il est-il donc? Il est 30. Donc il fallait mélanger 1 et 2, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est. Bon, ils disent rose. Moi j'ai pas vu une couleur rose, j'ai vu une couleur violette. On le mélange, c'est prêt à l'emploi, donc il faut appliquer et il faut attendre qu'après, bah vous allez le voir parce que là, ça, là du coup ça vire un peu au rose et une fois que c'est blanc, c'est que c'est bon. Il faut laisser agir entre 7 et 10 minutes en fonction de la couleur foncée des cheveux. Donc moi je vais laisser agir juste 5 minutes parce que je veux pas être blonde, 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 blonde. Si c'est pas suffisamment décoloré, il faut recommencer dans 24 heures, mais en général, moi, le premier me convient. Donc, je vais laisser agir 5 minutes. Pendant ce temps, je vais aller retirer ce vernis à ongles qui est mais nul à chier.
C'est un vernis, en même temps, voilà, je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer 1€ ou 1,99€ chez Tati. C'est les fameux craquelés, en fait. Alors, soit je l'ai mis super à la va-vite, soit le vernis qu'en dessous ne va pas, le top coat dessus ne va pas. Bref, je trouve qu'il n'est pas tellement bien craquelé. Et puis, voilà, il se décolle tout de suite. Je l'ai mis hier soir et il se décolle tout de suite. Donc, voilà. Donc je vais rincer tout mon tralala, je vais attendre que tout devienne tout blanc. Vous voyez que c'est déjà commencé à devenir tout blanc. Bon, c'est pas le truc qui est le plus agréable. Moi ça me picote pas, mais on sent que ça chauffe un petit peu. On sent que ça agit un peu comme quand on fait des colorations, des choses comme ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui agit quand même sur la peau. Alors que c'est censé agir sur les cheveux, mais comme ça touche la peau, ça agit un peu. Donc je vais attendre que ça agisse et puis je vous montre ça tout à l'heure. Coucou les filles, alors ça y est, les 5 minutes se sont écoulées. Comme vous voyez, il n'y a plus du tout de violet ou de rose, c'est devenu bien blanc. Donc j'ai attendu 5 minutes. Là, ça commence à me picoter et à me gratter au niveau de la moustache. Au niveau des sourcils, ça ne fait pas grand-chose. Mais au niveau de la moustache, vraiment, ça me gratte et j'ai vraiment envie de l'enlever. Comme vous avez pu constater, j'ai enlevé mon petit vernis. J'ai utilisé, là c'est juste voilà pour l'info, pendant que ça agissait, j'ai utilisé le dissolvant de chez Kiko, que j'aime beaucoup, mais que j'utilise sans doute pas assez, puisqu'habituellement, je prends le bain dissolvant, et en ce moment, je suis avec celui de Bourjois, qui sent super bon. Contrairement à celui de Sephora, je trouve que celui de Sephora pue, celui-là. Là, c'est une petite odeur, effectivement, un peu de fruits rouges. Donc maintenant, je vais rincer ça, parce que ça commence à devenir un petit peu désagréable, et puis je reviens de suite. Re-coucou les filles. Alors voilà, je me suis rincée, nettoyée encore une fois. Bouh, j'ai un petit peu de tout sur la tête. Et donc je me suis rincée et essuyée le visage. Je sais pas si c'est ultra flagrant. En tout cas, moi, dans la glace, je vois que mes sourcils ont des reflets plus blonds. Je sais pas si ça fait focus ou quoi. La moustache, elle a bien blondi aussi. Voilà. Je sais pas si on peut voir par rapport à mes cheveux que c'est un petit peu plus blond que tout à l'heure. En fait, il y a des reflets. Quand on voit vraiment comme ça, sans bouger, c'est toujours un peu foncé, même si c'est un peu plus clair que tout à l'heure. Mais quand on bouge, j'ai des reflets blonds. Et ma moustache, elle est blonde. Voilà. Donc, moi, ça me choque moins. J'ai l'impression qu'on voit moins mes sourcils, donc du coup ça me plaît bien. Donc je continuerai à utiliser, bon celui-là maintenant il est vide, je vais le jeter. Enfin je vais le jeter, je vais le laisser dans les produits que j'ai terminés, donc je vous en reparle à la fin du mois prochain plutôt. Et je vais y aller m'en racheter un autre, peut-être d'une autre marque pour tester. Parce que ça dure quand même assez longtemps, du fait que j'utilise que tous les 2-3 mois, ça dure en moyenne un an. Je sais absolument pas combien, bah voilà, il faut le garder un an, donc ça devait faire un an que je l'avais, peut-être plus. Après c'est pas top agréable, j'avais vu avec mon esthéticienne, l'esthéticienne avait dit que la décoloration c'était très bien mais qu'au bout d'un moment en fait la décoloration épaissit le poil, donc surtout au niveau de la moustache c'est bien de faire de temps en temps un coup de cire pour les affiner, pour qu'ils repoussent plus fin. Donc on en chie un peu, on pleure, parce que moi ça me fait mal de m'épiler la moustache. Après voilà, mon petit duvet comme ça, je le décolore 3 fois par an, ça me convient très bien. Et puis voilà, voilà. Donc j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec ma petite vidéo coupée et puis ma tête de coton-tige hein, pour ce coup-ci. Donc je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus. Sinon oui, je voulais savoir en même temps si vous voulez me mettre en vidéo commentaire ou en commentaire tout simple, qu'est-ce que vous faites vous pour, si vous éclaircissez la moustache ou les sourcils, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous faites, ou alors est-ce que vous arrachez tout, allez hop, on épile les moustaches, on épile tout. Je vous laisse m'expliquer un petit peu ce que vous faites, et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt.